Ouais, j'ai vu qu'il y avait les bingos qui te permettaient de décupler un peu les effets là. Des supplémentaires, mais. Vraiment, je sais pas comment tu mets les gènes en fait. J'en ai pas appris dans le jeu. Le Mélinx à purée. Peu importe ce que vous cherchez, vous le trouverez à Mélinx SA, je vous le promets. Cet objet est indispensable pour agrandir les écuries. Si vous le voulez, on accepte les capsules de bouteilles. Moi j'en ai une. Tiens. Mon frère. Des cadeaux. Elles sont faciles à trouver si vous pouvez aller jusqu'au repère ancien au sud de Kanuma. Enfin, c'est ce qu'on. Ça me paraît pas très sûr, mais j'adore les chasses au trésor. Allons demander des indications à Kenya. À Kina. Revenez me voir avec des capsules. Revenez me voir avec des capsules. Ah merde, elle est tout au nord. Pour mon style, peut avoir 3 bingos, c'est pas mauvais. Changement de gen, c'est pas dans la démo. Ouais, mais du coup, est-ce que ça aura vraiment le coup de le garder, quoi. C'est con qu'il s'est pas mis changement de gen dans la démo. Le sud de l'île, tu dis? Je me préparais justement à y aller aussi. Le repère ancien nous attend. Du repère ancien au sud de Kamuna? Ça pourrait changer l'histoire, tu sais. Rien d'histoire, c'était un repère d'alcoolique, c'est pour ça qu'il y a autant de capsules. Un monstre gigantesque est apparu et semé la bagaille. Le village a envoyé des raiders pour enquêter. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Dans la pénombre, ils ont deviné un monstre aux poils blancs et pâles, doté d'yeux d'un bleu scintillant. Un poil blanc et des yeux bleus? Un dragon blanc aux yeux bleus? Créature massive et basanée dansait autour du repère. Pareil pour la démo du 1, je trouve ça dommage car c'est plus important sur les monstres. Bah oui, c'est le plus important parce que c'est là où tu peux voir le potentiel de tes monstres en fait. On dirait Chef Gara. Ah yes. ガラ様をモンスターと間違え、ガラ様は笑っていたけれど、完璧に武装して、みんなして間違えるなんて、何もかもが人間離れしたあの動き。いや、そんなにベタコ。これはガラ様にし、さ、気を引きし。本当に怖いモンス。Let's go. À chaque fois, ce masque me fait penser à Zelda. Quel masque? Pas de masque? Tu parles du casque que j'ai là? Bon. Le masque du PNG? PNJ? Bon. J'aurais pas devant le masque Majora? Je sais pas, ça me semble bizarre un peu. Allô? Je vais engager le fight moi! Bon. J'engage le fight avec eux, ça marche? Ça fait contre des moustiques! C'est le duel! Ah non, c'est juste de Velocipry. J'attaque en technique, ils attaquent en vitesse, c'est parfait. C'est fait OS. Ah yes. C'est fait OS. Ah, tu veux dire le haut du masque? Ouais. L'eau du masque aurait des airs de Majora? Ouais. C'est bizarre ce que tu me dis. Et du coup, comment je les attaque, eux? Allô? Ok. Alors ça voulait pas, mais non, ça veut. Eux, ils attaquent en quoi, déjà?
En technique, je crois. Ouais. Mort. Non. Oui, il y a un coup de coup. Ah mais du coup le vélocidrome là il a buté le... Non. Si il a buté l'insecte qui est en duel avec moi. Une belle démonstration de force. On a gagné. Oui. Youpi. Youpi. Oulala. Pardon. Récupère ça. Récupère ça. Quoi le truc là-bas qui est échoué sur la plage? Ah c'est un os, pardon. Et ça là-bas? Mais... des cinématiques! Je veux trouver des capsules de bouteilles dans les coffres au trésor de ces tanières de monstres spéciales. Chaque zone cache de multiples repères anciens, dont la position ne change pas. Certains contiennent plus de trésors que d'habitude. Donc dedans, il n'y a pas d'œufs, mais il y a des trésors. Ça marche. Ça c'est quoi? Oh, j'ai des couteaux de lancer! Trop bien. On arrive à revenir ancien, maintenant essayons de trouver des capsules de bouteilles. Toulout Toulout, Toulout, Toulout. Alors par contre pour le moment il y a un truc que je reproche énormément. Ils ont fait la même erreur que pour Monster Hunter Rise. À savoir que tu n'as pas de musique quand tu explores. Ça pour moi c'est un gros défaut. Ah, je peux pas nager. Ah si, il y a des œufs aussi dans ce repère. Ok. Le coche, je peux pas y aller quoi, c'est tout. C'est con parce qu'en plus les matchs bah, ça a toujours été des très bonnes musiques et je comprends pourquoi ils ont fait ça en fait. Juste tu mets une petite musique un peu douce d'ambiance etc, ça m'irait. Hein. Et là non, pas de musique. Ce qui veut dire qu'en dehors des combats on va se faire chier. T'as pas d'ambiance sonore. J'ai la map là, affichée. Non, ouais. Côté. T'as pas d'ambiance sonore quoi. C'est ça que je trouve triste. C'est pendant les combats pour avoir la musique. Et c'est pareil sur Rise. Hein. Rise, ils ont fait exactement la même chose quand tu te balades dans les maps. T'as pas de musique jusqu'à que t'affrontes le monstre. World c'était pareil. Non non, World il y a une musique d'exploration. Elle est faible mais on l'entend. Il y avait une musique d'exploration dans World. Là vraiment t'as rien quoi. T'es sûr de ce que tu racontes au jeu là? Pas si sûr. Pas si sûr. Attends quoi? Je viens de looter l'arc? Non mais c'est une blague.
Je l'ai crafté tout à l'heure, l'arc, et je l'ai looté. Un enfoiré. Déteste. Méchant. Voilà. Vous êtes une bande de méchants de me faire looter l'arc alors que je l'ai crafté. Je voulais pas dire. Super, salaud. C'est l'heure. On avait dit qu'ils étaient en technique. Ouais, ouais, en technique. Donc. On va d'abord péter la gueule du manabra. Oh, le critique! On va tester l'assourdissement, tiens. Ok, ça n'a aucun effet. Bah ouais, c'est ce que j'ai fait, je les avais acheté les armes. Il est empoisonné, bordel. Chien. Ancel. Fini. Par le pouvoir de l'amitié. Attends, il est pas mort? Sérieux? Putain, il résiste de ouf, hein. Ah si, il est mort, quand même. Il est mort du poison? Hop là. Dis-moi. Dis-moi. Dis-moi pas. Le coffre, on l'a eu là. Il reste plus que le. L'œuf. L'œuf. Ah, tu peux zoomer et dézoomer sur la minimap? Trop bien. Oh. Ah! On peut pas changer les capsules de bouteilles tant que cette course rentre dans les parages. On doit le chasser. C'est parti, partenaire. Non, moi je voulais pas en fait. Démerdez-vous. En plus, il est pas content là. Moustache commence à frémir. C'est mauvais signe. Ça, je trompe jamais, cet endroit est dangereux, pas le temps d'hésiter. On défonce, frère. Je pense qu'il tape en force, lui. Ouais, tape en force. Bah, rip le vélocidrome hein, qui a fait une attaque technique. Oh, ce qu'il lui a mis. Ça rigole plus, là.
On utilise. Attends, mais en vrai, je devrais pas switch de d'armes, moi plutôt. Ah, c'est ça, faut que je switch d'armes. Et de faire. Avec un petit tacle vitesse. Donc. Ah oui, c'est elle avec sa son épée bouclier et la poison dessus. Trop bien. Ok, il est pas content. Pouvoir concentré. J'augmente la force. Putain, il prend 41 de poison, n'empêche. Hein. Oh, le poison est fort. Hein. Le poison est fort, fort dans le jeu, je pense. Par contre, mon Yen Kuku il va prendre cher, je pense. Ouais, il va prendre cher. Oh, 57 de dégâts dans sa gueule. Aïe aïe aïe, problème. Ça doit être un truc comme 2 ou 5% des PV max. Tu penses que c'est ça ou c'est. Ouais, ça me paraît très logique. Ah, t'as raison, je pense que ça me paraît très logique que ce soit un pourcentage des PV. Tacle mortel. LOL, esquive. Ah, il prend quand même 40, hein. Viens ici, par nous, ce Muldrome, finissons-en. Ça pue. Ça pue du cul, mais violent. Coupe. Vitesse. Je remets un coup de poison, le duel entre les deux qui part en égalité. Boule de feu! Boule de feu! Boule de feu! Ah! Ah! J'avais dit qu'il y avait quelque chose de louche! On doit sortir d'ici! Que dalle, on finit le combat! Bah non, on fuit. Non. T'inquiète pas, on devrait être en sécurité à présent. Mais quoi cette chose? Je m'attendais à croiser un monstre furieux de danse, pas de ça. Il a OS toute l'équipe. Non, il l'a pas OS, il a mis un 42 dégâts à tout le monde. Là quoi Gaëtan, on a que 30 PV nous? Ah, on a 50. Et il a pas OS les monstres, ça c'est sûr. Il n'y a mis que 40. Mais les chasseurs, ils ont combien? Toi, t'as un meilleur sens d'orientation que moi. Ah, mais t'as raison. Qu'est-ce que je vois? Un coffre. Ça va être marrant qu'on... Quand il va avoir sa barre de vie. Je crois que c'est 30, non? Combien? Ah c'est... putain, on est tous en feu. Non, j'ai 84 PV. Hein. 84 PV. Ouais, je prends l'œuf aussi.
Magasin Mélinx au village, accède les capsules de bouteilles. Ah non, il fait un tour. Ouais, vas-y, prends l'œuf. On prend l'œuf, on se casse. Yoshiro, arrête, hein. T'as pas grand-chose, en plus, c'est léger. Ouais, bah du coup, les œufs ont disparu. Cassos. Hein. Comment tu vas, Shiro? À nouveau Monster Hunter, c'est Stories 2. C'est Stories 2, il y a la démo. T'as la démo qui est actuellement disponible sur le l'eShop de la Switch. Et il sortira sur PC en même temps que la Switch. C'est quoi, c'est mode carte. Un charavan. Ah oui, tu peux te TP comme ça. Ok. Stories 2, ouais. Retournez voir le Mélinx. C'est nul alors. Pourquoi c'est nul alors? C'est vrai qu'ils ont fait un truc qu'ils ont pas fait sur Rise. Tu peux remapper les touches. Tu peux remapper toutes les touches. On peut pas taper du gros monstre. Ah si, mais pas de la même façon. D'ailleurs, les capsules de bouteilles dans les repères anciens ont terminé dans les outils secondaires, ouais. Qu'est-ce qu'ils vendent, du coup? Il y a au moins un repère ancien dans chaque zone, ouais. Mais qu'est-ce que tu vends, du coup? Je t'en pense quoi? Là, pour le moment, de ce que j'ai testé, ça va. C'est pas un mauvais jeu, quoi. C'est pas un mauvais jeu, ça c'est sûr. Oh, tu peux lui prendre des... talismans. Rendre quelques PV après garde, rendre quelques PV à chaque tour. Ah non. Armure Arzuros, 13. T'as afflux de vie avec. Afflux de vie, ça fait augmente les PV max. Non, je pense pas que ce soit super intéressant. Par contre, les armes, il a quoi? Ah. Oh putain! Brise concentration en talent? Ouais, c'est pas forcément ouf. Ah, t'as tout. J'ai bien envie de prendre une arme, mais du coup, ça coûte 16. Ah ouais, j'ai pas 16 capsules, moi. Trop cher. Et un objet, il a plan des écuries. Il permet d'agrandir les écuries pour y mettre plus de monstis. Celui de Mahana. Funky coup de cou, magazine de coiffure. Ah putain. Tu peux acheter des... Non, tu peux acheter des coiffures. Let's go. Fragment d'or, nutriments. Recette de combo pour les pièges. Les couteaux et tout. Putain, il a plein de trucs. Les graphismes sont incroyables. Les graphismes sont pas mal, ouais. Les graphismes sont vraiment pas mal. Je m'attendais à pire. Juste bah, les FPS, mais bon, ça, je pense que ça vient de la Switch. Les FPS sont trop fluctuants. Enfin, vraiment de la merde. T'as assez? Si, j'ai assez. Un truc à acheter, t'as mis le milieu de l'écurie. Ouais, je le mets après. J'ai le Tetsu Cobra. J'ai préféré ces graphismes sur MHR. Mais après, tu restes pas. Enfin, c'est compliqué parce que du coup, tu casses avec le style de MH Rise de base, quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Hein. Simplement. Avec la RNF. En fait, le jeu, il est pas mauvais.
Il est cool, je pense. Oh, un bébé Bulldrome. Oh mais trop bien en fait. Il a un talent. Il a quoi? Économie d'amitié et tacle mortel. Un puits de dégâts, léger dégâts non élémentaires à un ennemi fait le précision, mais l'attaque est toujours critique. Regardez avec moi lui. On va le mettre dans la team, faut qu'il level up là. Il a charge. Ah oui, donc tu me disais tout à l'heure, Gartan, c'était dans... Oh non, pas eux, mais si, c'est trop bien. Dans quoi? Dans Carnet du Rider? Non, pas Carnet du Rider. Dans... Guide du terrain ou... Attends. Guide de terrain. Ok, merci. Guide du terrain, livre des jeunes? Pas du tout. Là. Là, par contre, tous les gènes possibles dans le jeu, elles sont éclatées. Hein. Action en selle charge, ouais, mais ça ne nous dit pas plus. Talent rodéo. Les livres des gènes, c'est plus cette game. Okay. Par contre, ça me dit pas ce que c'est en fait. Ça me dit charge, mais c'est quoi la charge? On va regarder? Bon, c'est histoire. Moi, je veux savoir ce que c'est en fait. Ah, il avait une croissance rapide. Le Yen Kukku, c'est pour ça qu'il monte aussi vite de level. Allez, taper du monstre. Oh. Les Riders sont de retour. L'enquête de Lord Kamura est déjà terminée. J'ai mal. Elle est dans leur assiette. C'est nul. Yo le scarabée, charge boost en monture en te balandant sur la map. Ok, qu'est-ce que tu penses? C'est Lia et ma chère? Non, c'est pas Lia, arrive. Pas du tout. Le venin du monstre nous a contaminé. Venin? Un monstre dans la forêt, on va aller le tuer. Mais J'ai dit d'aller faire un tour chez la marchande pour récupérer de l'antidote. Ouais. Alia toxique. Ouais, du coup, t'as pas de lien avec Monster Hunter Rise, hein, genre vraiment. Alors, acheter herbe à antidote. On va prendre 5. Hein. Ziggyzoire, ça fait au moins le taux d'attaque critique pendant 5 tours. Ok. Et couteau, par contre, ça a l'air d'être un peu pourra. Tu vas faire l'action une fois, puis après, tu peux revoir dans Another Rider, puis terrain. Ouais, mais comment tu fais l'action si tu la connais pas, en fait? C'est ça qui m'énerve. Je comprends le principe, mais pourquoi? Ça marche, Freestar, des bisous. À la prochaine. Ah, attends, prends le Bulldrome. Ah, quand tu joues sur mon style, capable d'utiliser charge, appuie sur B pour le faire courir à toute vitesse. Ah, c'était ça le truc que vous disiez alors. Okay. Oh putain! I am speed! arrête-toi, Coco! Par contre, quand t'es en speed boost, tu peux pas loot.
Faire gaffe à ça, pardon. Tourne-moi bien. Ouais, ouais, ça, je m'en doute. Pas un gros souci, ça. Déjà vous ! I've just been this place before. Merde, c'était en bas. Ok. Ça marche aussi. Oh putain. Seul l'ange que je viens de faire. Ils ont pas mis les freins. Au KLM, ouais. T'as pas de chute en fait dans le jeu, donc. Ils s'en foutent quoi. Par contre, c'est vrai qu'ils auraient pu faire une animation un peu plus correcte quand tu descends, pas quand tu tombes. Reste sur tes gardes, elle est pleine de monstres venimeux. C'est quoi les monstres venimeux qu'on va avoir? Un coffre au nord. Par contre, j'ai l'impression qu'il est plus lent de base pour compenser le fait que sa charge soit super rapide. Pikachu, ouais, moi j'aimerais bien un petit Pikachu là. Fango. Voilà, il y a beaucoup de Bufango. Quand on peut pas y aller. Rien comme il est niveau 1, j'ai un peu peur qu'il se fasse pourrir la gueule d'entrée de jeu quoi. Ça passe. Ah. Ah, ça serait pas déconnant d'avoir un Puka Puka. Je sais même pas tous les monstres qu'il y a dans le jeu. Je sais qu'il y a un Lagombi. Il y a le Ludros. Il y a l'Aljanat du coup. Ah, il saute. Non, mais sérieux, tu veux pas sauter? Quand même. Peut-être le moment d'essayer Bufango au combat là. Avec le Kuluyaku et les deux Banamras. On va essayer. Eh ma chère PC, 3e trimestre 2022. Quoi? Non. Oh tu déconnes. Non. Là ils ont pas fait ça. 81 monstres, 128 monstres. Ok, ok. On est de dos, trop bien. C'est quoi ta source, Ojo? C'est quoi ta source? Prends ça dans ta face! Donc. Ah, le collier qui te fait soigner à chaque fois, je pense que c'est trop fort. Changement d'arme. On passe à la flèche. Non mais Ojo, putain, ta source. Des corps de chasse de Stories 2. Dans le 1, fallait faire la mélodie. Là, pour le coup, je peux pas te donner d'avis.
dessus. Allez, tu fais dodo. Vélocidrome. Merde, c'est elle qui attaque. Pire, c'est cool. La source, c'est frère, crois-moi. T'es caté, fraté. T'es caté, frère. J'ai vraiment cru qu'il allait tester son Bufango comme ça, lui. Non, il a pris son rocher de merde. Terrible. Le rocher, comme il est infernal en fait dans Story, c'est parce que t'es obligé de le péter. Ah, j'ai pas le choix. Hein. Non, je vais perdre ma charge. Chiro qui s'en surjoue. Tu peux le précharger le rocher. Oh, oh le son script. Bon. Meilleure arme sur tous les matchs. Je pense pas sur Stories ça soit une si bonne arme que ça. Parce qu'il faut que tu charges à chaque fois. Tu vois qu'il vise personne, c'est qu'il va rocher. Ok, ok. Donc du coup, tu peux déjà en profiter pour swap d'armes, quoi. Petit Bulfango. Hey yo, hey yo. Non mais Vélocidrome. Ça joue en fait. Oh, tu l'ouvres le coffre. Allô. T'as juste supprimé les messages hein, tu l'as pas ban non plus. Hein. Bon, c'est pas parce qu'il raconte de la merde qu'il faut le ban. C'est au jeu quand même. Mais pour le coup, j'aimerais savoir de. Parce que s'il nous sort 3ème trimestre 2022 pour Rise PC, c'est bien qu'il l'a entendu quelque part. Quoi. Enfin, pour moi, ça sort pas de n'importe où. Quoi. Là, j'aurais bien voulu savoir d'où il le sortait. Le Yann Koutkou, il est technique en, de base. Car sinon, faudrait ban le streamer. Quoi? Comment ça, faudrait ban le streamer? Mais j'ai rien fait, moi, je suis gentil. Ah, bah, mon propre modo qui veut me ban, quoi. À l'aide. Triste. Je vais pleurer. Voilà. Je vais retourner dans mon coin. Putain, qu'est-ce qu'on se traîne à d'autres vélocidromes là? Au secours! Il y a encore un truc? Des champignons! J'ai trouvé une tanière de monstre. C'est quoi cette tanière? Continue d'avancer. Okay. Ou pas.
Bugué, bugué. Yeah. Piqué, piqué, une ouverte rapace qui lance des attaques empoisonnées. Oh non! Dum, dum. Ah, la musique est tellement jaillant doux. Ok, le contournant il s'en fout. Je pense que toi tu vas passer en perçant. Salut ma phoenix. Un papier ciseau, aïe quoi. Tiragon. Lui il part sur une frappe assassine, donc pour le moment on peut charger. Bien. Aïe aïe aïe. Alors, j'ai vraiment bien fait d'acheter ce talisman qui soigne en fait. Hein. Mon perso, il est tranquille maintenant. Entends de la viole de sommeil. Petit déjeuner. Le système de combat, mais c'est pas grave. Au contraire, c'est pas mal. Enfin, je trouve que c'est pas mal de rajouter ça sur... sur un jeu au tour par tour. Ça évite que tu spammes toujours la même attaque en fait. Attends, un debuff ça le réveille. C'est un debuff. Y'a pas de dégâts infligés, ça le réveille. Du coup je mets 30 en critique. Oh, Bing. Je tente l'attaque technique avec mon pet. Il craint pas le tranchant. Ok, il craint pas le perfo non plus. Donc il craint le tranchant en fait. Ah oui. Pas sur les vraies armes. Apparemment, il aime pas l'arc. Oh, le 203 qui lui met l'autre. Déjeuner. Il mange quelque chose. Quelque chose de mauvais se prépare. Mon père a utilisé son poison. Attention, il va probablement lancer de nouvelles attaques. Oh no. Anyways. On va passer en tacle fort, je pense. J'ai même pas fait attention, c'est des attaques. Je crois que c'est du spécial qui lui. Enfin, c'est pas. Pas de la force, c'est pas de la technique. Il empoisonne toute l'équipe! Oh putain, peu cher! Attaque. Antidote. Peut-être sur mon pet. Ah, du coup, il faut full se focus sur sa queue. Ça pique de ouf là. Et pas le choix, faut soigner aussi. Hein.
Mon personnage, je m'en fous si j'ai toujours le poison. Dans le sens où j'ai mon... comment ça s'appelle? Ah oui, la queue, elle a rien par contre en PV. La queue, elle a rien en PV. Ok. Elle balance l'ulti, elle. T'as pas le temps. Pom 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 pom. Moi j'arrive derrière. Ronk. Vas-y pété. C'est bien. Le corps, la queue. Y'a tout qui pète. Tous en selle. Ah, c'était la technique qu'il utilisait, donc non, faut que j'utilise de la force, non? Ouais, c'est ça, c'est de la technique qu'il utilisait, j'avais pas fait attention. Duel! Bonk! Niveau 2. Je peux monter niveau 3. Hein. Les dégâts, mais les dégâts! Déjeuner! Il mâche quelque chose! J'espère qu'il va réutiliser son poison là, non? Ah putain, c'est de la force qu'il utilise. Bon instant, merci. Aïe aïe aïe. Toujours talent d'amitié 2. Lui péter la tête. Par contre, s'il utilise que de la force, la vitesse qu'il faut que j'utilise. Oh ouais, j'ai bien fait. On lui a tout pété. Bon, je sais que je suis pas niveau 3 là. Mais talent d'amitié. Hein. Vélocirage! Yay! Oh là 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 là! En full critique! Il a récupéré kit ou double? Kuliaku a récupéré Ruya Ocarieuse, enfin les deux. Nickel. Il est trop mignon le Puke Puke en sortie d'œuf. Comment ça, il est trop mignon? Pas trop mignon. Ah bah attends, on va pas retourner voir tout de suite. D'abord looter. Hein. Oh. Ouais, ça aurait pu être bien qu'ils mettent un FPS lock là, parce que bon, des fois ça tourne bien, des fois ça tourne pas bien. Ça reste décidé quoi. Oh bah les oeufs ils ont disparu. Et ils y allèrent. Partèrent longtemps, très longtemps. Parce que soudain, le miracle s'accomplit. Amusez pas, attends. Par contre, il y avait un coffre au-dessus qu'on n'a pas eu. Que ça vaut le coup d'y retourner avant de... Je pense, hein. On va utiliser la technique de la force. Déjà vous ? Oh!
putain, vous m'avez claqué les deux à la fois. C'était par où? Ah oui, c'était tout droit encore. Non, ils m'ont rattrapé. Le con. Aïe, aïe, aïe. Des problèmes. Vas-y, attaquez mon héros. J'en ai rien à foutre. Il se soigne à chaque fin de tour. Alors, le problème du Bulldrome... Bah c'est qu'il attaque en force en fait, ce connard. Ah non, attaque vitesse. Petit sanglier, il est trop drôle. Ouais, mais j'aurais pas le temps là, pas sur un fight comme ça. Duel! À moins. Ton vélo cyprès en tue un autre. Non, explique-moi. Ah, les dégâts qu'il fait! Oh là là. Invincible. Il faudrait que je regarde si j'ai l'occasion de me servir du sanglier, enfin de Bulfeudrome. Et du coup, le Bulfeudrome, il attaque en vitesse. Il attaque pas en force. C'est bizarre. Il attaque en vitesse. Moi, je ne sais pas. Mais... Un coup, lui, à coup. Monsieur, il y a juste loot. Ah non! Ouais, mais... En fait, c'est des préférences. Mais comment tu définis. Enfin, est-ce que le monstre. Comment dire? Est-ce que les préférences sont uniques? Genre, tel Bulldrome va attaquer comme ça, tel Bulldrome va attaquer comme ça? C'est ça que je me pose comme question. Général pour l'espèce. Normalement il attaque en technique, je crois, le... Ouais. Oui, il attaque en technique. T'es nul, Kenya. Oh, full attaque force. Oh, le full attaque force, là. Allez, dès qu'il s'est pris en un tour, le pot. Ah, on va pouvoir le tester. Tous en selle. Ça c'est son rocher, cet enfoiré. Roléo! C'est tout? Je m'attendais à plus. Tu peux voir la préférence quand tu switches de mon style. Ah, ça se met pas mal ça. Ah, c'est le petit picto qui est à côté de son level, c'est ça? Ok, I understood. Non. Ah,
Allez, dégage-moi ce rocher de merde. Voilà. Il est pété son vélocidromel. Normalement c'est pas juste une charge. Bah écoute. T'es sûr que c'est celle-là d'attaque dont tu penses ou c'est pas une autre? C'est une autre attaque non? Je sais pas. Hein. Attaque. On se casse. C'est parti en avant. Putain, c'est 20. Mes parents sont pas revenus encore. Comment ça a vraiment faim? Putain, j'ai la dalle. Ah, s'ils viennent de rentrer. Ok, bah j'ai le temps de faire encore un truc quoi. La croisée d'un Anjana, t'as piqué piqué, on n'est pas en sécurité ici, ça pue la merde. D'attaquer sans crier gare, je ne sais pas si c'est dit au Rata gardien, mais des choses étranges se passent pas un peu partout sur l'île. On est dans la merde. Dans du Rata gardien, les monstres ont peut-être du mal à se contrôler. Je me dis aussi, on devrait fouiller la forêt du Rata gardien, là où tout a commencé. En effet. En effet. On devrait réussir les conseils du chef Gara et se préparer. Moi je veux voir le bébé piqué piqué. Piqué piqué. Mais choupi quoi. C'est une grosse tête. Il a une tête qui est non proportionnelle à son corps. Tire venimeux. Oh. Anti-aveuglement. Pas mal. Merde, j'ai pas regardé. Faut que je mette dans l'équipe. Faut que je mette dans l'équipe et que je vire le deuxième. Et lui, du coup, il est à bingo. Il a un bingo non élémentaire, dégâts augmentés de 110%. Eh ouais. Trop à l'aise. Donc celui-là, on va le tej en attendant. On va mettre le piqué piqué avec moi. Il a rugissement. Regardez les quêtes. Ah, les cailloux. Okay. Et j'ai récupéré cœur tourbillon. Ça va trop vite. Il a pris 4 levels d'un coup, putain. Il a ça. Alors. Oh, le fendeur squelette. Moins fort que ce que j'ai. C'est moins fort que l'épée en fer. Bon. C'est les armes de base qui vont, c'est ça? Ok. Pareil pour les armures. Améliorer, on améliore comment? Ça fait quoi quand tu l'améliores? T'améliores juste les stats? Ouais. Ah oui, par contre, améliorer l'arme, ouf. C'est pas un petit up en fait. Quasiment du kitou. Ouais, nouvelles armures. Ah, la Banabra. Oh putain, la tenue Banabra. Je vais te laisser ici. Ça marche au jeu. Mais je vais pas tarder à m'arrêter aussi, je pense. Regarde ta partie là si tu veux continuer à jouer à la démo à la fin de cette quête principale. Ok, ok.
Ah parce que du coup à la fin de la quête là c'est mort, on n'a plus rien. Merde. Antivenin, danseur. Bah je pense que je vais m'arrêter là alors. Du coup. J'aurai pas le temps d'aller plus loin. Armure coup de coup, c'est celle qu'on avait tout à l'heure que j'ai pas fait. Bonus résistance feu. Affliction P, maître dueliste. Tu fais voir les armes? Oh la lame du tourment. Arc du tourment, c'est plus qu'épiqué ça. Ouais. Décapiteur poulet. Arc coup de coup, pique coup de coup. Le marteau bufango. Attends, c'est quoi un super parapoison? Les cibles avec poison ou paralysie subissent plus de dégâts. Ok, et c'est quoi ça? Giga explosion? Les cibles avec brûlure ou fléau explosion subissent plus de dégâts. Talent technique, un bloc de charge. Ok. Si tu sauvegardes à la fin de la quête principale, tu peux pas revenir en jeu. What? C'est bizarre, mais ok. Prends mon bufango. Je pense aussi que les armes, il va falloir revoir un peu ça, parce que la Hunting Horn, au final, je suis pas forcément fan. Peut-être plus tard, mais pour le moment, la Hunting Horn, elle est pas folle, quoi. Donc, plus repartir sur un marteau... Le pic coup de coup, il a l'air d'être pas mal. Le pic coup de coup, là... On a 18 dégâts feu. Pas mal. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et si tu l'améliores, ça monte à combien? Je rigole. Attends, c'est juste de la thune pour améliorer ou c'est aussi des... Consomme aussi des... Ok, tu consommes des matériaux. Ouais. C'est pas si simple, quoi, d'améliorer. Parce que si, là, tu vois, c'est quasiment le double de dégâts. Je me disais qu'il y avait un truc pas clair. Arc du tourment, rapide, fiole poison. La fiole de poison pourrait être peut-être plus intéressante, mais je vais attendre un peu, voir justement. On a l'arc coup de coup, avec les fioles de para. Oh. Et toutes les armures au niveau max de la démo, et le tiers des armes aussi. Putain, sérieux. Ça va, t'as poncé le jeu. Oh putain, y'a plein de quêtes. Et je pense qu'on va sauvegarder, il faut que j'aille dans la maison, c'est ça. J'ai même pas 5 heures. Ouf. Ok. Donc voilà, je suis à quoi, à 3 heures de jeu? Juste à la fin de la quête principale. Et on est niveau 8. Hop. Hop.